Bon après-midi, bon après-midi, bonjour. Nous classons grade 10, école des Pitons, et nous expliquons qu'il y a un cours aujourd'hui. Correct? Et voilà, si nous venons là, annotation. Nous avons clear, ça. Clear drawing, clear drawings. Voilà. Maintenant, nous avons un CRV, ça. Nous avons un CRV. The annotation. Voilà, eraser spot. Draw, quand ça va draw là. Comme ça. Voilà. Allez, maintenant on continue là. Bon, il y a beaucoup d'élèves déjà, topic qui devait faire aujourd'hui, appelé QR code. Voilà. Ça c'est un QR code. On va pas écrire directement. Pin a pen là dans ma draw pin a pen. Allez, je vais t'en moi là. Allez, tu vas faire une rentrée là. Hein? Oui, allez, allez. Pin a pen là dedans. Il réserve au tourist spot. Ah, il a pen, mon gars. Ok, ouais, voilà. Ok, maintenant je vous dis de fixer QR code. C'est un QR code, ces enfants. Observe ça QR code là, qui vous observez là-dedans? Ok, vous observez là-dedans qui. Voilà, il y en a un carré là, il y en a trois comme ça pareil, là, trois coins. Et ça, il servit pour alignment ça. Et j'ai trouvé qu'il y avait un petit carré, il faut même pas un petit carré comme ça, un petit square, un black square. Je vais trouver là, il faut même pas un black square. Ça, on appelle ça QR code. Bon, quand vous savez. Qui veut dire QR, le péricode là, hein? QR, il veut dire Quick Response Code. Quick Response Code et QR code, code service. Hein? Et qui les made up of matrices. Qui veut dire matrices, filled with dark square. Bon, une matrix ça, les filled with dark square. Correct, dark square. On a light background. Et QR code, code service. Ou enter a website. La place du monde là, type ça web code là avec ce keyboard. Il n'est pas nécessaire de type ça web code là pour ce keyboard. Il est capable directement de scanner avec ce scanner, avec ce portable. Voilà ce qui nous permet d'expliquer là. Nous permet d'expliquer comment servir un QR code. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Mettons, moi, j'ai un website appelé radarcomputers.com. Ok, mettons, c'est mon website. Dans la place, je vais typer dans ce URL, dans ce web adresse radarcomputers.com. Dans la place, je vais typer. Je suis capable. Génère un QR code. Écoute-moi bien ça. Moi, de Google, ok, je rentre QR Generator. Je rentre dans ce site-là, je gagne un, voilà, QR Generator. Je search, je gagne ça là. Et de place, je type ça URL là, radarcomputer.com, je génère un QR code. Dites là, là-haut là, non, il va apparaître là. Vous avez trouvé là? Là, je vais mettre sa website adresse là. Comment je vais mettre sa website adresse là? Gitlin génère un QR code. Maintenant, comment je vais faire ça QR code là? Je vais scanner avec mon portable. Je vais donner ça à tout le monde. Mais tout le monde là, il y a place. Il y a un type ça, il n'y a pas nécessaire de type ça. Il scanne ça avec son portable. Voilà. Le Google me montre. Scan QR code. QR code. With Android mobile phone. Là, nous pouvons faire une photo que nous pouvons scanner un QR code. Voilà, c'est ça sur portable. Ici, il y a une ressource portable, il peut scanner un QR code. Et là, le scan QR code là, qui est arrivé, il rentre dans ce site-là directement. Je veux dire, toi, demain, si tu as un website pour toi, tu es capable de générer ton QR code. Voilà, tu as un website pour toi, tu es capable de générer ton web code et tu donnes ça à tout le monde. Ça QR code là, tu ne peux pas prendre un type website là, sur l'avantage. Voilà, il va bien typer, il pourra rendre un website là directement. Allez, maintenant, je vous pose question. Correct, tout à fait comprendre. Allez, Soba, qui veut dire QR? Quick response. Ouais, quick response. QR veut dire quick response et en gros, on appelle ça QR code. What it is made of? Bar to bar, QR code is made of what?
Matrix of field in dark squares. Ouais, regarde là, tu trouves ça là, ça, il y a un square, un petit carré, tu trouves que là, un petit carré. C'est un appel ça, matrix, which are filled, so this is a matrix, ok? It is filled with dark square, un petit carré, couleur noire, ok? Et QR code, l'autre enfant, Moukin. Quand nous servons ça, qui fait nous servir QR code? Demande une raison. Allez, Moukin, pas là. Dis-nous, qui fait nous servir un QR code? Les plus faciles. De quelle façon les plus faciles? Rentre dans le site là plus vite. Exactement, très très bien. Tu rentres dans le site là plus vite. Veux dire quoi? Veux dire, dans la place, tu rentres dans mon website. Et mon website s'appelle radarcomputers.com. Dans la place, tu chip radarcomputers.com là, comme ça, dans ce URL, tu rentres dans le site là. Qui dit qu'en fait, scan avec ce portable, avec un affaire, il scanne sa QR code là. Et c'est-à-dire, sa QR code là, lit sa photo là. Sa photo là de tout ça, Matrix of Dark Square. Ok? Et il est là, sa photo là, il représente sa URL là. Et bien, soit de servir sa photo là, soit de type sa URL là de ton browser. De type sa URL là de browser. Si y a une place, tu peux aller, tu peux voyager. Il est un peu difficile pour te typer. Et il est là de servir ton portable sur caméra pour capable. Scan, voilà mon mot de comment faire ça. Et dire, toi, si demain tu as un website, tu mets ton URL là, il peut gérer un QR code. Et tu es capable de donner du monde sa QR code là pour faciliter de rentrer dans ton website. Voilà, il y a une option ça. Get là. Correct. Right. Maintenant, nous continuons. Très bien, j'aime bien répondre. Et moi, satisfait. Nous continuons. Maintenant, l'autre question nous guette. QR code, longtemps participé, servi ça. C'est récemment, il commence à servir. Ok, QR code, il y a une information là-dedans. Qui a une information, il y a des plus bons qui barcode. Longtemps, tu peux servir barcode, à ce moment-là, tu peux servir QR code. Maintenant, quand tu trouves ça encore QR code, dans un produit, fais-moi que je te parle dans le supermarché, tu trouves un produit, tu trouves un manger. Correct? Tu prends ton portable, tu scans sa QR code là. Quand tu vas voir, tu vas voir dans un website, quand tu as sa manger là, sa produit là, ce sont des détails. Et tu vas lire tout ce sont des détails. D'accord? Bon, barcode, il tient à 10 combien de caractères? Je vais oublier là. Un barcode sur longueur, je vais prendre combien de digits? Vous pensez nous faire ça avant? Un barcode, barcode, il y a un digit, mais sur longueur, je vais oublier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 digits, ou bien quand un petit peu plus, 14, je pense, 12 ou 14. Il ne peut pas dire là. 10 digits. Ok, bon, le cas de l'île internet, le cas de l'île d'internet, barcode sur longueur, barcode sur longueur, barcode number of digits, number of digits, number of digits. Combien de digits il y a un barcode? Voilà, il peut dire. Normalement, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 digits d'un barcode. Ok. Voilà, je trouve qu'il y a 10 digits d'un barcode. Mais un barcode, il y a 10, 10 chiffres. Mais QR code, il est capable d'avoir beaucoup d'informations. Qui fait parce qu'un QR code, tu peux scanner, il peut avoir un website. Mais le website, là, sur URL, il est assez long. Il y a beaucoup de longueur, il est assez long. Et là, il est long, il est capable de garder beaucoup d'informations. Et là, il rentre dans le website, là, il est capable de garder encore enseignement. Ok, j'espère que tout le monde est venu comprendre qui veut dire QR code, nous continuons à guider. Maintenant, on rentre dans sa note là. Voilà. Ce QR code, il store more information compared to barcode. Est-ce qu'il est tout d'accord? Avec là, nous pouvons lire description of QR code. Maintenant, là, Rajnat de la même de pétanement. Rajnat pétanement, il a envoyé un message. Non. Rajnat de la classe. Allez, Rajnat, pas attendez. Ne commence à demander à Radon ou la même. Allez, rapidement, à Radon. Non, pas là. Jahali.
Oui, la même chose. Allez, Xalane répond là. Allez, Aradon la même. Oui, madame. Allez, liez à mon garçon, description of QR code. Dans l'examen, vous avez une question. Describe QR code. Allez, liez à lui. A QR code consists of a block of small squares, light and dark. Allez, arrêtez. Pixels. Arrêtez. Tu trouves ça là? Un QR code, il est formé par quoi? Ben, square. Ok, ben, petit carré. Ok, consists of block of small square. Et ben, small square là, il est dark and white. Et 7 square là, on appelle 7 pixels. Allez, continue. It can presently hold up to 4,296 characters. Ou bien 7,089 digits. Ouais, voilà, t'es là, moi t'explique-toi. QR code, il est capable de garder autant renseignements. Par exemple, ici, il garde sa site radar computer. Et là, il y a une longueur d'informations qu'il est capable de garder. Comparé avec barcode, il garde 10 digits. Barcode peut garder 10 digits, mais un QR code peut garder 7089 digits. Allez, continue, Ali. And also allows internet addresses to be encoded within the QR code. Veut dire, d'après ce que radarcomputer.com, il y a un code, il fait livrer une matrix, il fait livrer une photo. Continue. And this compares to the 30 digits. La is the maximum for a barcode. Ah bon, nous faisons rien là, nous disons barcode, il a 10 digits. Mais ici dans le livre, il dit barcode, il est capable de garder maximum 30 digits. Ok, il veut dire, c'est un renseignement que tu peux rôder là. Il veut dire un barcode, il garde maximum 30 digits. Mais un QR code, il garde 4296 caractères, ou bien 7089 digits. Allez, continue. However, as more and more data is added, the structure of the QR code becomes more complex. Allez, l'autre maintenant, l'autre enfant, c'était Soba. Non, comment appelez ça après Jahali, moi, comment c'est Jahali. Ouais, Jahali, c'est ça. The three large squares at the corners of the code functions as a form of alignment. The remaining small corner square is used to ensure the correct size and correct angle of the camera shot when the QR code is read. Allez, maintenant, moi, je vais expliquer toi. Get ça QR code là, tu trouves là. Est-ce qu'il te trouve dans ce trois coins et dans un carré un peu grand? Ok, remarquez. Oui. Tu trouves là. Ça qui fait un service, ça, c'est un qui le peut dire toi. Le peut dire toi comme ça, quand nous servit ça. Ce qui fait un service, ça. Voilà, N. Tu trouves là tout QR code dans les D et 3. Il servit pour align ta caméra. Est-ce qu'il te comprend? Pour ta caméra, là, tu peux scanner, il align, il fixe, pour être capable de scanner sa QR code correctement. Ok, moi j'espère que tu comprends. Maintenant, bon, pour montrer toi encore un QR code sur Internet, et tu peux observer ça, il y a ça aussi, il y a trois carrés, il y a trois carrés. Et dans tout QR code, supposément, il y a trois carrés, un des trois. Et right, left, bottom, right, left, bottom, normalement, ok, right, left, bottom, partout il y a dit. Et comment tu en prends, ça, trois carrés là servent pour alignment, correct, alignment. Allez, nous continuons souvent, Jahali. Because of modern smartphones and tablets which allow internet access and the move, QR codes can be scanned anywhere. This gives rise to a number of users. Advertising products, for example, the QR code in figure 3.17, giving automatic access to a website or contact telephone number, storing boarding passes electronically at airports and train stations. Allez, moi explique-toi maintenant. QR code, sur l'avantage, nous trouvons à faire qui est arrivé à un jour où il peut voyager, il n'a pas de bord. Il n'est pas nécessaire de chipper. À travers sa caméra de ce portable, avec l'internet de ce portable, il est capable de scanner un QR code. Là, il scanne sur un QR code automatique, sur un site là ouvert, sur une application là ouvert. Par exemple, moi dans l'aéroport, je trouve un hôtel, moi je book ça l'hôtel là.
la place pour rentrer dans ce site, je vais écrire ce site là, le tel là sur nous, je vais prendre vos caméras, je vais scanner ce QR code là, et pour rentrer dans le tel là, ce site automatique. Et là, je vais faire mon booking. Maintenant, je vais voyager, je vais un boarding pass. Un boarding pass, c'est mon accès pour rentrer dans l'avion, un pass. Bon, si je vais mon QR code dans mon portable, et maintenant, quand je scanne mon QR code, il trouve mon détail, mon nom, mon passeport, mon ticket, tout pareil. Là, je vais avoir accès à l'avion. Là. Mais il y a QR code, jour du jour, il prend beaucoup à plusieurs places pour faciliter nos la vie. Ok, moi j'espère que les enfants vont comprendre que le cas avec QR code. Maintenant, je vais regarder une autre photo. Je vais faire avec QR code dans boarding pass. Boarding pass. Ok, dans l'aéroport, QR code, boarding pass. Donc vous trouvez que là, ça, un boarding pass, veut dire mon ticket pour rentrer dans l'avion. Et à travers mon application, je vais scanner. Et il donne-moi mon détail, qui vole, qui est encore moyennant. Vous avez un boarding pass, il peut scanner, je vais scanner ce boarding pass à travers cette application. Ou bien, il est capable de montrer ce boarding pass, ce détail. QR code qui paraît là dans ce portable et les autres gens là scannent. On va mettre la bonne application. Il y a pour l'hôtel, pour faire une réservation, comme ça. Maintenant, on est capable de servir mon QR code for booking. Booking of hotel. Booking of hotels. Voilà. On va servir QR code que les gens là, ils l'accèdent dans l'aéroport là-bas et ils peuvent booker l'hôtel, ils peuvent gagner ça. Voilà. Ils servent ça QR code là, ils scannent. Il peut gagner une réservation dans l'hôtel ou soir. Et il peut même book un taxi. Voilà, il peut scanner QR code qui trouvé là-bas dans l'aéroport. Quand il y a un taxi, là, il peut scanner ce QR code là. Et même il peut faire paiement à travers ça. Là. Voilà. Il peut book un taxi. Il peut get dans un sac l'auto. Il y a un pays là ou là. Il peut book. Il peut faire un paiement tout à travers ça. Mais il y a une facile pour te faire travailler ça. Tu input, tu facilites ton input. Voilà, monsieur là, il scanne sa QR code. Voilà comment il scanne sa QR code. Vous pensez que tous les enfants viennent comprendre, de continuer avec notre ça. Bon, ça, free corners, là, on finit de dire qui servit ça. Hein? Maintenant, les enfants, nous verrons que c'est en ligne. Voilà. Après, tiens, Ali, nous avons dit tout. Allez, dit tout là, hein. Monsieur. Allez, continue. Because, dit Alina. Because of modern smartphones and tablets which allow internet access on the move, QR codes can be scanned anywhere. This gives rise to a number of users advertising products, giving automatic access to a website or telephone number, storing boarding passes electronically at airports and train stations. Très bien, vous respirez un gros mot. Maintenant, après ça, nous avons Shahil Ramgulam. Continuez là. By using the built-in camera on a mobile smartphone or tablet and by downloading a QR application, it bon, is possible arrêtez. To read. Tu es capable de downloader une application dans ton portable. Après ça, QR application. Mais dans ton portable, tu es capable de downloader une application QR application. Ok, vous pouvez installer ça dans votre portable QR application. Et alors, ça que vous pouvez faire, vous pouvez servir pour scanner mon QR code. QR application for mobile phone. Mobile phones. Voilà. Là, mon autre jeu, tu es capable de downloader une application dans votre portable que tu facilites toi pour scanner mon QR code. Alors, ça. Voilà, anywhere. Ok, on appelle ça QR scanner. Voilà, tu download une application, QR scanner, et tu mettre ça dans ton portable, tu scannes un QR code rapidement. Et dans un bon pays, je te paye comme ça. Dans un bon pays, dans la Chine, je connais, il y a un software, on appelle ça QQ. Non, attends, hein. Comment ça, WeChat. Attends, QR. Moi, je suis là. Vraiment? Ouais, dans Maurice qui ne servit. Dans Maurice qui ne servit. Ouais, dans Maurice qui ne servit. Il y a de la Chine qui servit ça comme ça, WeChat. Ben, tu peux faire un paiement comme ça. Ça, tu peux faire un paiement comme ça. Tu peux faire un paiement dans WeChat.
Kali tu scan tu pay ye pau bicha, kiti ya. Itu je jumlah pay. Masa dah pukul dah bukul saya kau itu. Kalau ada Maurice kini saya QR application dah kini dah kena saya muka Mighty, Mighty Market, Mighty Money. Mighty. Ali nugi dengan kut Mighty. Dah pernah Mighty usi na. Mighty QR application dah Mighty. Voilà, mon pensée dit là, là. Scan to pay. Voilà, la Mighty qui est là. Scan to pay. C'est-à-dire que je prends ce portable, scan les pays. Scan to pay. Voilà. Mon pensée, je vais apprendre un peu quelque chose là aujourd'hui. Je continue. Shahil, tu peux lire. It is possible to read QR code on the move using the following method. Ça, c'est quelque chose pour vous dire comment nous lire nos QR code. Allez, lire les Shahil. Point the phone or tablet camera at the QR code. The app will now process the image taken by the camera, converting the squares into readable data. The browser software on the mobile phone or tablet automatically reads the data generated by the app. It will also decode any web addresses contained within the QR code. The user will then be sent to a website automatically, or if a telephone number was embedded in the code, the user will be sent to the phone app. If the QR code contained a boarding pass, this will be automatically sent to the phone tablet. Allez, and les enfants maintenant, RAM portable, advantages of QR code compared to traditional barcode, Liam? They can hold much more information. There will be fewer errors. The higher capacity of the QR code allow the use of built-in error checking systems. Mobile barcodes contain almost no data with redundancy. Give me the redundancy. Give me the redundancy. Data which is duplicated. Ouais, with the duplication of data with the redundancy. Continue. Therefore, it is possible to guard against badly printed or damaged barcode. QR codes are easier to read, you don't need expensive laser or red light. Allez, si pas service space, expensive laser or red light, qui les service? Scanners. Oh, qui scanner les service? Les service caméra de portable. Ouais, les service de caméra. Il n'y a pas besoin d'acheter le bon scanner, les service de caméra de portable. Ok, continue. It is easy to transmit QR code either as text, message or image. Oui, qui veut dire c'est un QR code pour toi. Tu es pas facile à voir ça de camarade, par photo, etc. Ok, tu es imprimé. Correct? Comment pour moi, tu es là, moi, tu génères mon QR code, moi, tu m'as dit, comment je génère mon QR code? Et là, ça me cite, radar computer. Je génère mon QR code, comment moi, tu fais ça? Moi, tu rentres dans un software appelé QR code generator. QR code generator, moi, tu m'as montré tout ça. Et si cette carte génère ce QR code, donc ça c'est camarade, mais c'est moi avant tout. Tu as besoin de website. Voilà. QR code generator. On rentre là. Attends, on rentre dans ce site là. Voilà. Il y a plusieurs QR code generator qui est là aussi, mon endlet. Et là, je vais mettre là. Je vais mettre mon URL là-haut, tu vois. Et qui est là, comment je vais mettre mon URL, il génère ça QR code là. Et je vais imprimer ça, je coupe ça, je vais donner un jumon. Et du moins là, ils scannent ça, ils pourront rendre dans mon site directement. Vous savez comment c'est simple? J'espère que tous les enfants comprennent, hein? Moi, je vais expliquer en termes pratiques là. Allez, continuez. It's also possible to encrypt your codes, which gives them greater protection than traditional barcodes. Voilà, ça c'est pas l'avantage des QR codes. Maintenant, on prend les enfants, Rampota, Binfini, Soba. Désavantages QR codes. More than one QR code is available. Format is available. Ouais, mais si on a more than one QR code format, it's confusing. Allez, continue. QR codes can be used to transmit malicious codes, known as attacking. Ouais, à travers QR code, tu as un virus. Continue. Continue. Since. There are allowed number of free apps available to a user for generating QR codes. Bon, ça m'a montré ça. Moi, je m'a montré comment générer QR code.
Il y a des bouts qui disent qu'on a gêné avec un QR code. Allez, continuez. Et les gars mettent un virus à travers sa QR code. Là. Allez, continuez, souvent. It is relatively easy to write malicious code and embedded it within the QR code. Qui veut dire malicious code? Ben, danger, ben code qui est infecté. Allez, continuez. When the code is scanned, it is possible to the creator of the malicious code could gain access to everything on the user's phone. For example, photographs, addresses, address book, stored passwords, and so on. The user can could do also be sent to a fake website, or it is even possible for a virus to be downloaded. Voilà, c'est ça, c'est un désavantage du QR code, d'accord? Maintenant, les enfants, Batubara, new developments. Newer QR codes, also called frame QR codes, are now being used because of the increased ability to add advertising logos. Frame QR codes. Tu as envie de get ça, nouveau type de QR code, là. Frame QR code, comment il est? Ah, il est comme ça. Oui, allô? Ouais. Ouais, moi, c'est dit, maman m'a donné la clé, il est resté ouvert. Allez, si les papiers comprennent la clé, là, get un coup. Ok? Allez, bye. Non, si il a la clé, les papiers qu'on ouvre, qui place, et bien sûr. Allez, merci. Allez, ça, c'est nouveau type de QR code. On appelle ça frame QR code. Par exemple, target dans la vidéo, là-dedans, etc. Maintenant, nous retournons avec nos notes. Bah, tu pourras continuer. With a canvas area, where it is possible to include graphics or images inside the code itself. Unlike normal QR code software to do, this is not usually free. Ok, il y a un nouveau type de QR code, on peut mettre le logo dessus là. Un canvas c'est une photo ça, hein? Une photo, un graphics dans QR code. Là. Bon, moi aussi je vais le lire un peu là-dedans, il y a un peu nouveau pour moi. Ok, maintenant nous continuons. Ça, c'est pas un devoir, vous êtes capable d'essayer. Vous êtes capable de lire. Maintenant, prochaine classe, nous vous faire digital camera. Bon, on part en retard avec M. Labosse. Vous êtes lié à lui, vous êtes comprend lui. Ça aussi un input device, ça. Comment une caméra digitale fonctionnait. Et qui va partie, il y a la digital camera. Il y a shutter speed, il y a autofocus, il y a autoflash. Il vous fait son aperture, etc. Ne vous guider. Comment red eyes, remove red eyes. Ok, on a une caméra qui est là. Ne vous guettez ça CCD, qui veut dire CCD, Charge Couple Device, qui veut dire ADC, ne vous guettez ça la caméra digitale. Et Charge Couple Device, qui diffère en une caméra. Et en une caméra sur lens, voilà, sans image, il passe à travers lens, il y a la CCD device, il convertit en ADC, ADC fait analog digital converter, tout cela ne vous causer. Bon, on va arrêter là même là, et on va donner ça de voir là, je vais essayer si j'ai une question de dire moi. Correct. Allez, moi stop sa vidéo là. Et moi.